des channels les moins cons sur tout Twitch. Blitzstream, oh Blitzstream. Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game. Ça s'appelle Blitzstream. Ça se passe chez Kevin. Ça se passe chez Kevin. Ça se passe chez Kevin. Hey Kevin, viens devenir intelligent sur Blitzstream. Ça sera échec game. Blitzstream, c'est mon ami. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes en forme pour suivre une petite masterclass très facile. Vous allez voir, ça va être tranquille. Le thème, j'ai voulu repartir sur le côté ordinateur, les parties d'ordi que j'aime bien. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut faire une minute de silence parce que la grobe est morte. Il y a eu un match de championnat du monde d'ordi. Alors, ils ont fait plein de cadences entre les deux meilleurs ordinateurs du monde, entre donc Stockfish et Lila. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et je pense que je referai des vidéos là-dessus. Et à ma grande surprise, G4 a été joué dans le match. Et donc, du coup, les ordi ont joué. Et on va pas se mentir, deux gars noirs. Donc, petite minute de silence. Donc, je suis désolé, Kev, il va plus vraiment pouvoir la rejouer. Du coup, je vais vous analyser déjà cette partie et vous montrer malheureusement quel est le problème d'une super ouverture. Mais bon, l'ouverture, elle a fait son taf. Hein. Elle a fait nul Carlsen. Donc, à partir de maintenant, on s'en fout si elle est réfutée. Donc, on va commencer par ça et après, je vais vous montrer des petites idées d'ouverture qui ont été trouvées ou qui ont été appliquées dans des matchs entre ordinateurs. Et donc, c'est une approche un peu particulière, mais pour comprendre comment l'ordinateur réfléchit. Et du coup, je vais vous montrer, moi, après, j'ai analysé les parties d'ordinateur et pour en faire des répertoires d'ouverture. Donc, ça peut vous être utile sur Chess.com ou quand vous jouez entre potes. Voilà, on va essayer. Allez, on commence. G4. Bon, D5, c'est le meilleur coup, mais ça paraît logique. Ça attaque le pion. Ici, tout le monde joue fou G2. Avec la fameuse idée, sur fou prend G4, faire C4 et avoir du jeu sur la grande diagonale. Mais c'est quand même le bon coup. Alors, pour ceux qui veulent en faire un répertoire entier, il y a un truc assez amusant, c'est que dans la partie retour, dans ce match entre ordinateurs, il a joué E3, ce qui est quand même très, 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 très triste. Et je vous montre la partie parce que les blancs se sont fait complètement déchirer. Donc, en fait, si vous regardez, c'est comme si c'était une française où le mec a complètement craqué et a envoyé un G4. Et donc, la partie n'a pas duré très longtemps. Il a joué H5. Et ici, les noirs ont fait une petite combinaison. Faites-vous la main. Fou prend G4, gagnez un pion tout simplement, parce que sur dame prend, il y a tour prend tour. Donc, les noirs ont gagné en 80 coups. Mais bon, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. C'est juste pour vous montrer. H3 est aussi un coup possible, mais j'ai toujours pensé que c'était bête, parce qu'après H5, G5, E5, si vous pouvez regarder, les pièces noires vont sortir trop facilement. Le fou va aller en D6, le cavalier en E7 et pourquoi pas en G6 avec un gros trou en H4. Et là, on a le centre pour rien. Donc, le coup critique, c'est bien sûr fou G2. C'est le coup donc, que joue Kev normalement. Et là, le bon coup, c'est fou prend G4. C'est-à-dire, on relève le défi. C4, donc je vous ai dit que c'est l'idée. L'idée, c'est que sur la prise, on veut faire fou prend B7. Et ce n'est pas clair. Donc, je sais qu'on m'avait déjà dit que KD7, même ça, pouvait être intéressant avec l'idée de donner la qualité, mais pour avoir beaucoup de jeux sur les cases blanches. Mais notre ordinateur, donc Stockfish, le meilleur ordinateur du monde en ce moment, a joué C6, c'est-à-dire qu'il a bétonné la grande diagonale. Ici, les blancs ont réagi de façon la plus normale. C'est Dame B3. Pourquoi c'est normal? Parce qu'en fait, simplement, il va faire pression sur les cases blanches. On veut, avec les blancs, on veut taper D5, taper B7. J'ai vérifié ce qui se passait sur pion prend D5 d'abord, suivi de Dame B3, avec exactement la même idée. On menace de regagner ce pion, on menace de gagner ce pion. On fait ça. Dame prend,
KD7. Donc on défend la tour parce qu'elle était attaquée. Et regardez cette position. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un problème dans cette ligne. C'est que les blancs ont un petit problème de développement, on va dire. Par exemple, KC3, on se développe, E6, donc on défend le pion. Maintenant, le fou va pouvoir sortir, la dame, elle est un peu hors jeu, et on va avoir un problème pour développer le 3. Donc, je peux vous montrer une partie qui a été jouée il n'y a pas si longtemps. C'était ça. Ça. Dame prend A7, ça perd tout de suite. Il y a dame C8 qui menace de gagner la dame. On est obligé de repartir. Fou B4, donc on menace de gagner le cavalier. Ça. Et dame C3. Et en fait, ici, c'est abandon parce qu'on menace de prendre et on va gagner une pièce. Donc, je pense que MVL est, au candidat, il a peu de chances que ça lui arrive cette ligne. Mais bon, on ne sait jamais. Au moins, il saura quoi faire sur la grobe. Parce que j'y ai passé un peu de temps pour la réfuter. Et dame A6 a été jouée. Et bon, cette position, elle ne peut pas donner envie. On menace cavalier E4. La dame, elle est toujours aux fraises. On menace fou prend C3. La position ne va pas. Dans la partie entre les deux joueurs, il a joué dame B3 qui est plus logique avec l'idée de taper ici. Mais maintenant, je vais vous montrer quelle est la réfutation. C'est E6. Dame prend B7. Si pion prend D5, ici, il faut être malin. On ne peut pas rejouer la même chose parce qu'ici, on perdrait. Parce qu'au prochain coup, il y aurait dame prend fou. C'est échec. Donc, c'est important cette fois de reprendre de E. Et sur dame prend B7, on refait KD7, c'est-à-dire. On défend la tour. Et surtout, la pointe, c'est qu'en fait, dame prend n'est pas un coup, parce qu'il y a tour C8 et le fou C1. Et ça serait mat au prochain coup avec tour prend C1. Donc ici, il faudrait faire quelque chose comme ça. Et on peut simplement protéger ça. D4, fou D6, j'imagine. Et la dame, elle est complètement aux fraises. Donc on peut imaginer ça. Et cette position, elle est très 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 dur à jouer pour les blancs, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils ont le roi, le mettre en C1, ça va être terrible, le mettre en G1, ça va être terrible. Ça va être un peu dur. Alors, je vous montre la partie. La partie, c'est plus logique. Il a joué dame prend B7, donc menace de gagner en un coup, quand même, dame prend tour. Cavalier D7, seul coup. Seul coup, mais bon coup. Dans la partie, ici, il a joué cavalier C3. S'il fait dame prend C6 pour gagner le matériel, on fait simplement tour C8, on bouge la dame et on prend ici. Donc, on a un matériel égal, on menace tour prend C1 mat, donc il doit bouger le cavalier B1. Disons cavalier C3, dame C7. On défend le pion A7 et on menace D4 qui gagne tout de suite. Ici, le seul coup, c'est roi D1. Donc, à partir du moment où roi D1 est le seul coup, limite, on peut s'arrêter parce que c'est la crise. L'autre option, ça serait cavalier A3 pour défendre ici et en même temps attaquer la tour, mais on peut repartir. Par exemple, j'ai joué un peu avec les ordinateurs. Cette position, elle est beaucoup, beaucoup mieux pour les noirs. Tout simplement, encore une fois, à cause du développement, les pièces sont très mal placées. Et surtout, le roi va être très, 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 très faible. Donc, dans la partie, il a joué cavalier C3. Et ici, il a joué donc un coup que ça, par contre, je ne connaissais pas. C'est cavalier E7. En fait, il veut simplement défendre ici. Et après, ce cavalier, il a pour objectif d'aller en F5. Et pourquoi pas d'aller en H4 un jour. Donc, il a pris. Et là, il a joué un très bon coup. Bon, comme souvent, il a fait E prend. C prend, ça aurait été une grosse faute tactique. Parce qu'après cavalier B5, les blancs gagnent. Puisqu'il menace cavalier D6 mat. Il menace cavalier C7 et ça gagne la tour. Oui, il n'y a pas trop de réactions dans le chat. Mais bon, ils sont un peu déçus de voir la réfutation de leur ouverture fétiche, je comprends. Donc ça a été la partie. Tour B6, on chasse la dame. Il est revenu au bercail. Maintenant, cavalier G6. Donc maintenant, on peut faire un bilan de cette position qui est entre guillemets la suite logique. Le matériel est égal, sauf que maintenant, on va essayer de comparer les pièces. La tour, elle est très bien placée, elle est sur une colonne semi-ouverte. Le développement, on va dire, c'est à peu près équilibré, mais quand même, les noirs sont légèrement devant parce que fou D6 et roque et tout sera sorti. Les blancs, il leur reste quand même pas mal de pièces sur la première. Et surtout, la menace très forte, c'est cavalier H4 et le fou G2 n'a pas d'abri sûr. Donc, H3, la partie, ça a été ça. Fou D6. Et là, il a joué H4. Ça, par contre, c'est dans l'esprit.
Il joue H4, parce qu'on sait que petit roque, le roi sera trop faible, donc il envoie H4. Il veut jouer H5 et gêner ce cavalier. Mais en fait, H6, c'est un coup de prophylaxie, c'est il veut faire roque sans laisser les blancs faire H5, H6. Donc il a fait fou H3 pour échanger. Donc là, je ne sais pas si c'est simple de se rendre compte à quel point la position elle est mauvaise. Mais regardez la coordination, la tour 1, le fond C1, une tour en H3, il y a un truc qui ne va pas dans la pose. Je vais vous montrer la suite de la partie parce que les noirs, bon, en plus c'est des 3800, mais ça a joué vraiment super bien. Il a joué tour H1, bon, pourquoi pas. Et ici, les noirs ont envoyé du lourd. On fait C5. Alors, ça, C5, c'est très intéressant. De faire ce genre de coup. Pourquoi? Stratégiquement, ça peut être dangereux de se créer le pion isolé, mais vous avez une telle avance de développement avec les noirs, il faut jouer dynamique, il faut en profiter. L'avantage de développement, c'est un avantage éphémère. Donc si on ne joue pas actif et rapide, c'est un avantage qui va s'estomper parce que les blancs vont sortir leurs pièces. Donc quand vous avez un avantage de développement, vous devez jouer actif pour profiter le plus vite possible de cet avantage. Ça, c'est un truc que vous devez vous rappeler. Il a joué B3, Dame C8. Donc là, ici, il menace C4 pour ouvrir la position complètement. Cavalier A4, bien joué. Attaque la tour, attaque ça. Donc tour C6, pas le choix, puis on prend. Et ici, le coup qui est assez impressionnant dans cette position, c'est qu'il n'a pas simplement repris le pion pour échanger des pièces, même si ça donnait un avantage. Il a décidé de mater. Donc comment jouer pour l'attaque? Au lieu, en fait, si on compare ici, on échange le cavalier qui est en A4 contre le cavalier D7. Lui, il a préféré jouer cavalier E5, ça c'est très instructif. On enlève la pièce qui défend le roi et on laisse, donc on est prêt à sacrifier un pion, mais on laisse un cavalier en A4 hors jeu. Donc maintenant, que peut-on attaquer avec les noirs ici? Comment attaquer? Maintenant, je vous laisse. Personne réagit un peu dans le chat là. Comment attaquer? On vient de sacrifier un pion. Quelles sont les faiblesses dans le camp blanc? On attaque le roi. F2, ah, y a eu, ben, c'est très bien. J'ai eu deux coups proposés et deux idées sont bien. Les deux faiblesses, en fait, elles sont là. Alors d'ailleurs, c'est marrant, c'est que ça résume bien la grobe, en fait. On joue G4, c'est-à-dire qu'on joue à l'aile. Donc là, ils ont fait G4 et un pion H5. Mais le problème, c'est qu'on ne touche pas au pion du centre. Et du coup, il va s'avérer que les faiblesses, c'est E2 et F2, on va voir. Donc le bon coup a été proposé tout à l'heure, bien joué, c'est tour E6. En fait, ce pion, on s'en fout, ça met un cavalier hors jeu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est attaquer ici. Fou des deux, donc on continue à attaquer. Donc on amène j'allais dire de la dernière pièce qui n'attaque pas, mais c'est faux, il y a encore le cavalier, mais on va voir, ça va arriver au coup d'après, cavalier C6. Donc on bloque, entre guillemets, la seule force du camp blanc, c'est-à-dire le pion passé. Donc roi F1, il essaye entre guillemets, de se planquer, de sortir du vis-à-vis avec les deux tours, normal. Fou D4. Donc on a bien dit qu'il y avait deux faiblesses, ici et ici. Donc fou D4, avec l'idée d'attaquer la deuxième. Cavalier C3, il essaye de se venger sur le pion D5. Tour F6. Donc on menace très clairement, tour prend F2. Tour H2, on défend. Si quelque chose comme E3, je pense, je n'ai pas analysé, mais je pense que Dame G4 doit gagner. Avec l'idée quelque chose comme ça, et la dame n'a pas de case en fait. Enfin, ou alors B1, mais B1, tout s'effondre. Donc l'ordinateur, il a défendu avec tour H2 pour défendre. La tour E5, un coup très beau, mais logique, on veut continuer à attaquer avec tour F5 et tout mettre sur ce pion F2. Donc là, c'est ce qu'on appelle une grobe qui se passe mal quand même. Je suis en train de lire le chat, désolé. Tout le monde est dégoûté de voir la grobe se faire martyriser. Mais au moins, si on vous la joue, maintenant, vous pouvez défoncer votre adversaire. Mais bon, moi, je trouve ça bien. La grobe, c'était un coup d'éclat.
Non, non, c'est pas facile à réfuter. Ben, d'ailleurs, je connaissais pas. Je pensais. D'ailleurs, il y a ma femme qui a perdu récemment son adversaire de la GG4, elle a perdu. Mais je lui dis, mais fou prend G4, c'est pas bon, c'est bien connu. Et en fait, c'est la meilleure ligne. Je savais même pas, en fait. Donc j'ai travaillé ça récemment et. Bon, je vous montre la fin de la partie parce qu'elle est jolie. Ici, l'idée, on pourrait croire que E3 serait fort parce qu'on attaque le fou. Mais en fait, ici, il y a un coup très joli, c'est tour F3. Et on profite du clouage et on menace tout simplement fou prend E3 qui gagne. Et si on fait dame E2 pour déclouer, on emmène la dame. Et c'est fini. Quai B5 a été joué dans la partie. L'idée, c'est de contre-attaquer sur le fou D4. Dame G4, on emmène la dernière pièce. Donc là, je crois qu'on peut dire qu'il y a une légère initiative. On attaque là. Et dans la partie, ça... En F3, il y aurait du cavalier prend, hein, n'importe où. Ici, parce que tu es cloué. Cavalier prend F3 gagne aussi. Si E3, donc... E3, cavalier F3 gagne tout de suite, parce qu'il y a dame G1 et cavalier prend H2. Si fou E3, cavalier F5 gagne tout de suite, parce qu'on menace ça, et il y a ou cavalier G3 échec. Bon, je vous montre juste la fin de la partie, parce que les blancs ont très bien défendu, mais ils se sont retrouvés à perdre une qualité, et ils ont perdu la finale. Donc en résumé, que faire contre la grappe si on vous la joue? N'ayez pas peur, jouez D5. Si les blancs protègent ce pion à base de E3, H3, vous jouez E5, H5 et vous sortez votre pièce. Il n'y a rien. Donc fou G2, la ligne normale. Ici, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre en G4. C4, on fait C6, on défend sur la grande diagonale. Dame B3, attaque ici. Et là, il faut être prêt à donner le matériel. Si on vous prend ici, vous vengez ici, et après, vous avez juste à sortir vos pièces. Et si cavalier C3, très important, cavalier E7, avec l'idée sur pion prend, reprendre de E. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Et maintenant, on met le cavalier en G6. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué dans la grappe, ce qui paraît logique. H4 devient faible, donc du coup, on en profite. Et donc, pour moi, c'est la réfutation de la grappe. Et quand on voit, avec les blancs, c'était Léla, c'est Stockfish avec les noirs. Quand on voit la branlée que s'est pris Léla, j'ai envie de dire, plus jamais de grappe. Ok? Bon, j'espère qu'il y en a qui ne sont pas partis en dépression. Et quand j'ai vu la partie, ce qui est marrant, c'est que j'ai envoyé à Kev direct. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah, pourquoi elle est là à jouer G4? Dans ça, c'est très intéressant comme question. Et d'ailleurs, c'est un peu quelque chose que j'aime pas trop dans ces tournois d'ordi. C'est qu'il y a un humain derrière qui choisit les ouvertures. Il leur donne une base de données, genre un book, et ils connaissent genre 5 coups, 10 coups, ça dépend des lignes. Et là, la prépa, c'était 1 G4 au noir de jouer. Ça donne plus envie de la jouer, donc il faut que tu trouves une ligne où les noirs doivent trouver plein de bons coups. Non, je comprends. Ils vont essayer de réfuter la réfutation, mais bonne chance, hein. Moi, je serais preneur. Mais dans tous les cas, la partie, en plus du bon plan pour les noirs, j'ai beaucoup aimé ce C5 et cette idée de jouer cavalier E5. Et ça, c'est un truc vraiment instructif. On préfère échanger, on veut attaquer avec les noirs. On a l'avantage d'avoir, on préfère enlever le cavalier qui défend le roi plutôt qu'un cavalier à 1-4 qui est en jeu. La deuxième partie que j'ai prévu de vous montrer, alors déjà, il faut que j'arrive à retrouver comment on fait. Je crois que c'est bon. C'est un truc très bizarre que j'ai découvert donc dans le même tournoi d'ordi. C'est que là, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous faire un cadeau. Je vais vous proposer un répertoire pour les noirs sur une ouverture qui est assez à la mode et jouée sur Internet et je même joue en vrai, on me l'a déjà joué. C'est sur B3. Et donc là encore, c'est dans le système de match. Donc c'est Stockfish avec les blancs, cette fois Lila avec les noirs. Et ils ont imposé une ouverture et l'ouverture, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc si votre adversaire joue B3, je vais vous conseiller une ligne très particulière. Ce n'est pas G5.
Mais tu vas voir, dans l'idée, Kev, tu vas beaucoup aimer, à mon avis. Alors B3, ouais, ça se joue pas mal. Ça s'appelle le début de la scène, ouais. Donc E5, on prend le centre. Donc attaque le pion, on défend. E3. Donc ça, quasiment tout le monde fait ça. Donc l'idée des blancs, en général, c'est de faire fou G5. Ici, quels sont les coups théoriques? Le plus théorique, c'est bien sûr D5. Avec l'idée fou B5, fou D6. Et ici, deux façons de jouer, soit KF3, soit F4. Ça, c'est la grande ligne théorique. Moi, j'avais vu un coup marrant à une époque, j'avais travaillé, c'était ce coup cavalier E7, qui sert pas à grand-chose, mais qui a une idée, c'est que si fou B5, maintenant A6. Donc si vous jouez en bullette, cavalier E7 est un bon coup. Mais sinon, dans l'absolu, cavalier E7 n'est pas terrible, même s'il y a eu des parties. Il y a une partie Artemiev-Morozevitch, ça s'est déroulé comme ça. Ça, KG1, voilà, c'est ça le bon coup, suivi de D3, et en théorie, c'est mieux pour les blancs. Donc la ligne que je vais proposer, à mon avis, vous allez me dire dans le chat si quelqu'un l'a déjà vu, c'est que sur D5, fou B5, donc qui menace fou prend E5, le coup que je vous propose, suspense, cavalier E7. Alors, 4, c'est un... Ah non, c'est ici que ça avait été joué, Morozevitch-Artemiev. Et depuis cette partie entre ordinateurs, j'ai vu deux très forts grands maîtres, Gawain Jones et Alexenko, le jeu. Donc, cavalier GE7, d'ailleurs, moi je pense que c'est plutôt cavalier E7, pas cavalier GE7, puisque l'autre cavalier, ça serait illégal. Mais je sais qu'il y a des ordinateurs qui mettent cavalier G, mais je n'ai jamais compris. Alors, c'est un coup qui paraît très con, parce que ça perd un pion. Donc l'ordinateur, Stockfish, il l'a pris. Alors, si votre adversaire ne prend pas, le seul autre coup qu'il peut faire, c'est cavalier F3 pour attaquer. Mais ici, je conseille simplement E4, cavalier E5, A6. Si dame H5, fou E6, on parle mat. Et cette position, elle est complètement OK pour les noirs. Elle est très intéressante à jouer. J'ai analysé fou D6. Je pense que c'est le meilleur. Et roque. Et la position OK. À la place de KC3, roque est le coup le plus logique, qui a été joué en pratique. Mais encore une fois, fou D6. Avec l'idée, si fou prend G7, tour G8, dame prend H7, F5. Et en fait, on menace dame E7 ou dame G5. Et on va limite faire grand roque. Et c'est très fort pour les noirs. Donc cette position, elle est à peu près équilibrée, mais complètement jouable pour les noirs. Donc il ne faut pas avoir peur. On fait fou D6 au prochain coup. Roque et on balance F5 par exemple, ou F6 aussi, pour jouer fou F7, ça peut être pas mal pour chasser la dame. Bon, le coup critique, vous allez me demander, c'est bien sûr qu'est-ce qui se passe sur fou prend E5. Est-ce que quelqu'un a une idée? Déjà, est-ce que quelqu'un avait déjà vu ce sacrifice de pion? Pas tous en même temps. A6 du coup, Chester Knight Killer, bien joué. Donc l'idée d'A6, c'est que tout simplement, on force fou prend C6. Pourquoi? Parce que si le cavalier part, il y a cavalier prend E5 et sur fou A4, il y a B5. Donc fou prend C6, cavalier prend C6. Donc on va faire un arrêt sur image. Ici, donc on a un pion de moins, mais qu'est-ce qu'on peut avoir en échange? La réponse est très simple. On a du jeu sur les cases blanches. Pourquoi? Parce qu'on a mangé la paire de fous et il n'y a plus de fous de cases blanches. Donc il va falloir jouer sur les cases blanches. Quelle est la plus grosse faiblesse sur case blanche? Question, il n'y a pas de piège. Quelle est la faiblesse? G2, très bien. C'est très bien. Donc ici, il y a deux coups possibles. Il y a soit le fou qui vient de ce côté, mais encore une fois, ce n'est pas hyper logique de mettre le fou ici. Soit fou B2, qui est probablement le meilleur ou le plus joué en pratique et le meilleur, ce n'est pas clair, mais le plus logique. Donc bien sûr, dame G5. On attaque G2. OK. Maintenant, défendre G2, ce n'est pas simple. Il y a trois façons. Il y a G3, dame F3 et roi F1. Le meilleur coup, c'est roi F1. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous conseille de jouer ça avec les noirs? Est-ce que vous pensez que votre adversaire va vous jouer roi F1 facilement? Je pense pas.
On va regarder les autres coups. Alors, G3, c'est possible, mais regardez, G3. C'est exactement ce qu'on veut. Ça nous fait des trous sur les cases blanches. Et nous, on veut rentrer sur les cases blanches. Donc, sans réfléchir, on envoie fou G4. F3 pour chasser. Ouais, les courants d'air, c'est exactement ça. Par exemple, il y a H4 qui a été joué dans une partie, mais on peut simplement faire ça et regagner le pion. Du coup, on se retrouve paire de fous, l'initiative, les cases blanches, donc on est gagnant. Donc, le coup le plus logique, c'est F3. On rebouge le fou. Il y a une partie, je vous montre une partie qui a été jouée. Hein. Kc3, grand roque. Alors ça, c'est loin d'être l'autre. La position, elle est quasiment gagnante. On veut jouer fou c5, tour h8, et on veut punir le roi e1. Il y a une partie, si je me rappelle bien, la partie s'est déroulée comme ça. Tour prend e4. Et ici, en fait, les noirs sont juste complètement gagnants. Regardez la déchéance du côté blanc. Donc G3 qui est le coup, à mon avis, surtout si vous jouez sur Internet, on va vous jouer. Après fou G4, vous allez déchirer votre adversaire. F3, fou F5. Et par exemple, si ça vous jouez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire grand roque, vous pouvez faire H5, H4. Vous pouvez tout envoyer. Et ça vaut largement, largement un pion. Donc à la place de G3, l'autre coup logique, c'est dame F3, parce que ça défend. Et on peut se dire, je peux essayer d'échanger les dames. Ok, on continue dans le style. Fou G4. Dame G3. Si dame F4, il y a un truc amusant, c'est qu'on peut jouer dame G6. Menace fou D6 et la dame n'aura pas trop de cases. Mais surtout, on a une menace de fou, on menace dame prend C2 qui attaque le fou, qui menace dame D1 mat. Et c'est très très fort. Donc le seul coup, c'est dame G3. Bon, mais on continue le développement. Hein. Fou D6, on attaque la dame. Seul coup pour ne pas perdre la dame, c'est F4. Et donc là, vous vous doutez bien qu'il faut défendre le fou. Donc on a deux cases, ici ou ici. Donc le plus logique, c'est ici parce qu'on attaque en même temps ce pion. Et par exemple, si vous devez vraiment sérieusement travailler cette ligne, moi je vous conseille d'apprendre jusque-là parce que ça suffit. Les compensations, elles sont là. Vous allez jouer grand roque, vous menacez dame prend C2, vous allez mettre une tour au centre, vous pouvez aussi. Pourquoi pas balancer un pion H? Et pour un pion, ça les vaut largement. Alors moi, j'ai analysé un peu plus loin parce que je suis un peu. C'est un peu mon métier. J'ai besoin d'aller plus loin. Dame prend C2, fou prend G7. Ici, on peut croire que les noirs sont en train de perdre du matériel, mais en fait, il y a une jolie astuce tactique. C'est que sur dame prend G4, qui donc gagne une pièce et défend le fou, les noirs gagnent, en fait, simplement gagnent. Ils font H5. Donc l'idée, c'est que si tu me fais ça à tout moment, maintenant je peux reprendre. N'oubliez pas que dame H8, on peut jouer fou F8 et c'est protégé. Donc la position sans fin d'arrêt sur image, c'est matériel égal. Sauf qu'on menace dame B2 qui gagne, on menace dame C1 échec, on menace grand roque, on menace tour prend G2. Enfin, c'est complètement fini. Donc ici, le coup logique, ça serait plutôt dame G5. Mais en fait, on n'arrive pas à défendre. On fait dame E7, fou E7, pardon. Dame H6, donc il s'accroche au fou, sauf que maintenant c'est gagnant comme ça. Dame C1 et D4. Et on menace d'ouvrir, de faire grand roque. Il y a aussi l'échec ici, c'est juste mat. Alors moi, j'ai rien vu, j'ai juste analysé. Et je vous fais part de mes analyses pour. J'aimerais bien avoir un retour, genre j'ai gagné avec ce que tu m'as montré, ça me ferait plaisir. Dame G3, par exemple. Dame C1, D4. Bon, en fait, c'est juste, c'est mat. On menace concrètement, on menace dame B2 qui gagne une tour, et on menace aussi grand roque et d'ouvrir la position. Alors, je vous annonce, le prochain mec qui me joue B3, je joue sacrifice. Et j'avoue que j'espérais jouer ça contre Lagarde. Le début de la partie, je le remontrerai à la fin de celle-là. Non, mais tu n'as pas besoin d'en prendre 25 coups, je t'ai dit. Retiens jusque-là quand même. Tac, 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 dame F5. Tu retiens jusque-là. Tu vas gagner ton adversaire, j'en suis sûr. Donc le meilleur coup, j'ai dit, ici, c'est roi F1. Non, déjà, c'est.
Je suis en train de lire le chat. Tu veux me jouer B3? Ouais, qu'il y a 3, qu'il y a H3, j'ai pas encore travaillé. D'ailleurs, j'ai pas été glorieux. Il faudrait que je regarde quand même. Donc, fou G4. Donc, on veut créer des affaiblissements. Et ici, la pointe, et ça, c'est très important, l'idée va être de mettre notre dame en H6, non pas H5, pour au cas où avoir la case après pour le fou. Pourquoi avoir la case en H6? Par exemple, sur Kf 3, ça nous attaque la dame. On va en H6. L'idée, c'est que quand le mec va nous jouer H3, mais il ne menace rien. Et ça, c'est important qu'il nous menace. Donc, on va jouer grand roque. Et l'idée, ça va être de balancer F5. Donc, on a un pion de moins. Mais regardez l'initiative qu'on a. On a déjà roqué. L'autre, il a le roi en F1. Et c'est vraiment pas facile à jouer. Alors, par exemple, j'ai un peu analysé un peu plus. Donc, ici, par exemple, s'il joue D4, notre idée, c'est simplement F5. Et on balance G5, G4. Si G4, on fait fou G6. Et en fait, on ne perd jamais la dame, hein, il y a toujours une case. Et cette position, elle est hyper compliquée, mais je préfère les noirs en fait. J'aimerais tellement pas avoir cette position avec les blancs avec un roi en G1. C'est terrible. Et l'ordinateur dit que c'est complètement jouable, c'est à peu près égal, mais donc du coup, je préfère les noirs. Et s'il fait cavalier E2, ce qui est assez rigolo, alors cavalier E2, c'est une nouveauté, donc j'ai vraiment travaillé pas mal aujourd'hui la ligne. On refait la même idée, on refait dame H6. Et on veut balancer F5. Donc roi B8, c'est pas. Roi B8, ok, F5, c'est un bon coup, mais après dame D3, le pion peut être en prise. Donc c'est plus précis. Bon, même ça, c'est jouable. Hein. Mais le plus précis, c'est de jouer roi B8. Alors c'est toujours un coup de prophylaxie, mais c'est utile. Quand il y a des rocs opposés, le roi en B8 est toujours plus safe qu'en C8. Et on balance F5. Donc l'idée c'est simple, hein. C'est G5 et F4. Donc roi G1, il défend sa tour, il menace de nous manger le fou, on le bouge. Et pourquoi on a mis le pion F5? C'est aussi on évite G4 ici. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer plus, mais ça c'est honnêtement c'est la meilleure ligne pour les blancs. Donc enfin, je vous conseille vraiment ça. Dans la partie... Donc, je redis, c'est Stockfish contre Lila. Il a joué fou G3. C'est-à-dire, il a compris que G2 était faible et que Dame G5 était une menace. Du coup, il décide de partir de la grande diagonale. Mais ça a bien sûr des inconvénients. Ok, trouvez-moi des coups actifs ici. Donc, on a un pion de moins avec les noirs. Donc, il faut jouer dynamique. À fou A3, c'est en prise. D4, bonne idée, mais pas tout de suite. Ah, le bon coup m'a été proposé deux fois. Bien joué. H5. Le fou en G3, il est hyper bizarre et il est fragile. On menace H4 qui gagne, hein, qui gagne une pièce, hein. Si H3, par exemple. Cette position, elle est mais tellement déprimante. On menace G5. Si Kf 3, on fait F6 et après on fait G5. Dame D7, et on va jouer pour grand roque. Je ne vois pas qui aimerait avoir cette position avec les blancs. Elle est juste très mauvaise. Donc le bon coup, c'est H4. Et ici, il faut trouver la nouveauté qui a été introduite donc, dans ce match par Lila. Comment jouer actif? Donc n'oubliez pas, vous avez un pion de moins. C'est un peu comme et vous avez l'avantage de développement. C'est un peu comme tout à l'heure l'avantage de blanc. Quand vous avez un pion de moins, vous devez jouer dynamique, c'est-à-dire jouer des coups actifs. Il ne faut pas prendre votre temps. G5, non. Dans l'idée, c'est logique, mais ça ne marche pas vraiment. Non, Maxime, il n'aime pas avoir des poubelles. Hein. Il en a, mais pas. Non, ce n'est pas G5, malheureusement. Ah! Il y en a un qui a proposé le bon coup. Je vais laisser tourner un peu le chrono. Fou G4, pas mal. Ce n'est pas le meilleur, mais j'aime bien l'idée. Il y en a un deuxième qui a donné le bon coup. Troisième, bien joué Ludwig. C'est D4. Très bien joué. On ouvre la position. Et n'oubliez pas, maintenant que le fou n'est plus sous sa diagonale,
Il peut avoir des problèmes avec un pion en B3 à cause de la tour A1 en prise. Ici, dans la partie, il a joué cavalier E2, qui est le coup le plus logique pour se développer. Sur un coup comme C3 qui force, pour essayer de forcer quelque chose, ça serait très dangereux parce que le pion en D3, ça serait une épine à vie dans le camp des blancs. Dans la partie, il a joué plus logique. Il a joué KE2. Fou D6, on échange ce fou. Pion prend D4. Alors, j'ai essayé d'analyser, par exemple, fou prend D6. Pion prend D4. Si KE prend D4, c'est déjà gagnant pour les noirs. Parce qu'on fait fou G4 et grand roque. Donc, regardez le développement. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un petit problème. Et c'est abandon. On va menacer dame prend D4, tour F4, tour prend G4. Et ça ne peut pas tenir. Le meilleur coup ici, c'est de prendre du pion. Qui est prend D4. Et cette position, c'est on a un pion de moins, mais on a vraiment assez de jeu. On va jouer par exemple sur KIC3, petit roc. Le pion, il est en prise, certes, mais ce qui compte, c'est la sécurité du roi. Et même si on a perdu H5, le roi F1 est beaucoup plus faible que le roi en G8. On menace ici dame prend C3 ou dame prend C2 et on va regagner notre matériel. Le roi est dans les courants d'air. Mais quand on joue D4, l'idée c'est ça, c'est ouvrir la colonne E, de se développer, jouer le plus actif possible et punir le roi. Et n'oubliez pas, il a un pion H4, donc petit roc, il peut avoir des problèmes. Par exemple, ici, probablement que son meilleur coup, c'est petit roc, mais bon, à partir du moment où on fait dame prend H4, on n'a plus de pion de moins, on n'a plus de problème. Donc, à la place de fou prend D6, il a joué pion prend D4 dans la partie. Fou prend G3. Alors, K prend G3. F prend G3 serait juste catastrophique, parce qu'après fou G4, le clouage serait mortel. Donc, il a fait ça. K prend D4. Donc là, les noirs... Les blancs rêveraient de faire petit roc. Mais le problème, c'est qu'il y a dame prend H4. Donc, que faire? Ils décident de se développer. Et là, un coup fantastique des noirs. Donc, je vous ai dit, vous devez jouer le plus actif possible. Faire jouer toutes vos pièces. Il ne faut pas avoir peur. F5, garde-le en tête, c'est une très bonne idée. Alors, fou G4, je pense qu'il peut peut-être essayer F3, roi F2 de se cacher. Tour H6, alors c'est pas mal. Il y a de l'idée, vous allez voir que votre idée va servir. Non, le coup incroyable pour moi, parce qu'honnêtement, je pense que je ne l'aurais pas joué. C'est simplement petit roc, en fait. Ce pion en H5, on s'en fout. Parce que comment tu veux qu'il nous attaque? Il ne peut rien faire. Imaginons qu'il fasse qu'il prend H5, on fait tour 8, on le déroque. Et on continue, on menace ça. Il fait D3, K prend C2. Allez, il peut déjà abandonner. Parce que dame prend C2, fou prend D3, on gagne la dame. Non, je suis d'accord que c'est pas. C'est un coup, en fait, si on vous dit que roque, c'est le coup normal, certes, mais est-ce que vous l'aurez fait avec le pion H5 en prise? Je ne suis pas sûr. Hein. Mais c'est pas con. D3, il a joué dans la partie. Et ici, par contre, il a joué un coup incroyable. Que faire avec le noir? Ici, il y a deux coups que je valide. Alors, dame prend H5 au coup d'avant, il y avait K prend C2 et K prend tôt. Non, C5, ça ne sert à rien, en fait, si tu regardes bien. K prend C2, non, ça ne marche pas, c'est en prise. Ah, il y en a un qui a proposé le bon coup. Bien joué. Il a joué B5. L'autre coup que je valide, et ce n'est pas une blague, c'est A5. L'idée, c'est que par exemple, sur ça, je fais ça. Et si quelqu'un m'avait proposé ça... Bon, j'aurais dit d'arrêter de tricher, mais sinon, j'aurais dit fantastique. On veut simplement jouer tour H6 et on emmène la dernière pièce à l'attaque. La tour A8, c'était la pièce la plus pourrie. Parce que le fou C8, il arrive très facilement en jeu. Fou F5, fou G4. Mais tour H6, A5, tour A6,
Mais qui va jouer ça? Non, mais personne. Mais si quelqu'un me l'avait dit, j'aurais été content. Moi, je pense que je ne l'aurais pas trouvé. Mais ici, là, je B5, qui est une idée que je comprends aussi assez simplement, parce que le fou peut venir aussi sur cette très belle diagonale. Tu le reportes à Chescom, mais ouais, t'as raison. Mais tu vas voir la partie, c'est incroyable. Donc l'autre joue Roi F1. Donc Roi F1, c'est prophylaxie. Maintenant, Dame prend H1 qui est un coup, parce que qu'elle prend C2, c'est plus échec. F5. Donc là, le mec lui dit, j'en ai rien à foutre de ce que tu menaces. F5, je veux détruire ton roi. Je veux faire F4, F3. Alors j'ai analysé qu'elle prend H5. Ici, les noirs gagnent. Ils font B4, attaquent le cavalier. Donc regardez, le cavalier, il ne peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là. Donc il se retrouve un peu dans le dur, il est obligé de reculer. Maintenant, j'envoie F4. Concrètement, la menace, c'est fou G4 qui gagne une pièce. Ce cavalier, il est enfermé. Donc on va dire, ah non, il n'est pas enfermé, on peut manger ici. Ok, c'est pas grave. Dame D6. Et là, maintenant, regardez la position du roi blanc. On a perdu deux pions, mais on a perdu un roi. Et on menace cavalier prend C2, qui attaque la tour et qui menace cavalier E3, et ça gagne. Dans la partie, là, je dame prend H5, fou B7. On a perdu deux pions, mais on joue ultra dynamique. La menace, c'est F4, F3. On menaçait, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, cavalier prend C2, attaque la tour et attaque ici, donc il fait un coup de défense. Et je ne vais pas vous montrer la partie en entier, mais les Noirs ont fait nul, mais étaient beaucoup mieux dans la partie, mais ils n'ont pas réussi à gagner cette finale. C'est matériel égal, c'est eux qui ont l'initiative, mais les Blancs ont réussi à défendre. Donc je vais vous remontrer calmement ce qui est mon conseil sur la Larsen. E5, on prend le centre. Et là, la quasiment nouveauté, du moins pour moi, cavalier E7. On fait comme si le pion E5 n'est pas en prise. On veut jouer A6. Fou prend A5. On fait A6. On est obligé. Donc ici, deux écoles. Fou B2 ou fou G3. Sur fou B2, la faiblesse est ici. Donc on fait dame G5. Et au coup d'après, on envoie très vite fou G4. Et on attaque à fond sur les cases blanches. On va pouvoir faire grand roque, etc. Et on va pousser les pions. Le pion H, par exemple. La deuxième possibilité, c'est ce qui s'est passé dans la partie fou G3. On balance H5 direct qui menace de gagner. On force H4 et après on fait D4. Et l'idée va être de jouer vite fou D6. On va reprendre. On va jouer vite petit roque et on va attaquer. Donc je vous remonte vite fait la partie. J'ai beaucoup aimé ce B5, mais honnêtement, A5 est une proposition de mon ordinateur très intéressante avec l'idée de passer la tour sur A6. Et regardez comme le roi va être au bois. Ok. C'était ma deuxième idée théorique du jour. Donc, on a réfuté G4 et vous avez une très bonne idée sur B3. Je bois un peu. Oui, je peux le remontrer calmement la partie, parce que c'est vrai que je suis allé un peu vite, parce que sinon je peux y passer 2 heures. Mais B5, F5, on donne encore un pion, fou B7. On envoie tout en fait. Et c'est juste parce que le mec il se retrouve avec un roi tout pourri. Ici, concrètement, on menace quoi? On menace B4. On va aller suivi de dame D5, par exemple, ou dame C6, et on va aller gratter G2. C'est terrible. Et si vous avez les blancs, ben, si vous avez les blancs, il faut que tu travailles ça, que tu vérifies, que tu trouves un truc jouable. Si vraiment tu as peur de prendre le pion, tu peux jouer cavalier F3. Tu peux jouer ce que j'ai montré, ça. Parce que objectivement, je pense que c'est à peu près égal. D'ailleurs, là, tout le monde joue roque, mais après fou D6, je pense que c'est même mieux pour les noirs. Pas mieux pour les noirs. Plus agréable à jouer. Quelque chose comme ça. Mais tu peux jouer. Si t'as les blancs, ouais, peut-être KS3, KE2. Et je pense que c'est à peu près équilibré. Ok. Troisième partie du jour. Je vais changer un peu de thème, mais on va rester, enfin, de thème, oui et non. On va rester dans les parties entre ordinateurs. Mais par contre, cette fois, ça va être une partie théorique. Alors,
vais dire tout est théorique avec moi, mais en fait pas vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Attends, je mets le truc. Cette fois, en fait, donc je vous dis, dans ces tournois entre ordi, il y a des humains qui choisissent un certain nombre de positions. Donc là, par exemple, il y a la partie d'avant, c'était après cavalier E7, ben, les ordinateurs commençaient à jouer en match aller-retour. 1B3, 1G4, c'était pareil, ils commençaient là. Là, c'est un truc un peu différent. Les mecs ont décidé de faire jouer une grande ligne au ordinateur. Donc, ils ont joué une ligne très théorique qui est jouée par certains des meilleurs joueurs du monde. Donc, du coup, ça peut avoir un intérêt théorique, mais c'est un truc plus pointu. Pourquoi je vous montre ça? Pour deux raisons. Parce que déjà, théoriquement, ça peut intéresser certains, mais je ne pense pas beaucoup. Mais c'est juste parce que la partie est magnifique. Donc, moi, j'aime la beauté, j'aime les belles parties. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer maintenant une très belle partie. Encore une fois, entre ordinateurs, jouer toujours entre Lila et Stockfish. Non, je ne vais pas réfuter des 4, vous inquiétez pas. Oui, cette fois, ça va être une belle partie d'ordi. Fou B4 échec. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Oui, théoriquement, ça peut intéresser des gens, la théorie, mais bon, pas toujours. La sorte de ninja, très drôle. Bogo indienne, ouais. Mais moi, j'ai toujours appelé ça la Bogolubov, en hommage aux joueurs du même nom. Parce que du coup, Bogo indienne, est-ce que les gens savent que Bogolubov est une personne? Je ne suis pas sûr, en fait. Il a perdu un match de championnat du monde, quand même. Ok, donc KD2, c'est pas, il y a deux coups. Il y a Fou D2 et KD2. Objectivement, KD2 est un peu plus à la mode. L'idée, c'est de jouer A3. Et si on compare avec la Ninzo, A3 ici, ça nous spoilerait la structure. Mais KD2, si on fait A3, on peut simplement reprendre du fou de la dame en D2. Il fait roque. Alors, roque, c'est devenu le coup à la mode. Avant, pendant des années, les gens jouaient C5 ou B6. Non, KD2 n'est pas moins bon. Par exemple, Carlsen, dernière fois qu'on lui a joué ça, il a joué KD2. Et ici, la ligne est devenue hyper critique, c'est ça. E4. Ça, c'est devenu une ligne très théorique. Donc là, c'est assez particulier pour les noirs parce qu'ils laissent le centre. Par contre, ils ont l'avantage de développement. Ici, il y a deux façons de jouer pour les noirs. D5 est le coup de la partie qui, à mon avis, est mauvais. Et parce que la partie va vous montrer la réfutation. C'est exactement. C'est Bogoliubov qui a dit « Quand j'ai les blancs, je gagne parce que j'ai les blancs. Quand j'ai noir, je gagne parce que je suis Bogoliubov. » C'est de lui. Ici, moi, je conseillerais plutôt de jouer D6, fou E2. Et là, j'ai vu un coup très, très marrant joué par Ivanchuk contre Magnus. Il a joué cavalier FD7. J'ai trouvé ça très marrant. En fait, ici, on veut jouer E5, C5 et de jouer à fond sur les cases noires pour forcer les blancs à faire quelque chose avec leur pion D pour après pouvoir faire une rupture avec F5. Ah, il n'a jamais rien gagné. Il faisait beaucoup nul, mais il n'était pas si mauvais quand même. C'était top mondial. Après, c'est vrai qu'il était pas. J'ai regardé ses parties, c'était pas ouf, ouf. Donc, juste, je vous montre ça parce qu'ici, il a joué un truc génial. Carlsen, il a joué KB1. Avec l'idée de revenir en C3. Donc, c'est un peu du grand n'importe quoi. D5. Bon, D5, c'était le coup le plus joué pendant des années et des années, mais vous allez voir qu'il y a un petit problème. Il y a E5, KD7, fou D3, donc on se développe, C5. Et ici, en fait, l'antidote, entre guillemets, a été trouvé il y a déjà quand même pas mal d'années. Ici, il y a un coup théoriquement qui est très très fort. Oui, il avait. C'est une bonne question, Kev. Il avait le niveau d'un Guiride maintenant, ou tu penses en dessous? Que faire avec les blancs ici?
B4 ou H4, ça existe. Ouais, c'était Djurgiri, ouais, un top 10, 15 mondial. Ouais. Ouais, le bon coup, c'est H4. Bien joué, François. François Duc. Comment trouver H4? Regardez les pièces noires. Le cavalier, qui est censé bien défendre notre roi avec le noir, il est parti en D7. Ce cavalier, du coup, va venir là, mais regarde, aucune de ces pièces ne défend le roi. Nous, on a quoi en attaque? On a le fou qui est braqué et il nous manque quelque chose. Mais le petit quelque chose, H4 nous le donne. Kg5 peut être une menace. Et il y a même plus que ça. Ici, si pion prend D4, les blancs jouent et gagnent avec quelque chose de classique que vous devez connaître. Qu'est-ce que vous jouez ici? Fou prend H7, évidemment. D'ailleurs, ça a été joué, c'est assez drôle. C'est une petite pensée pour Vlad. C'est une partie gagnée avec les blancs par Navarra. Il a gagné comme ça. Alors, prise, c'est le coup normal, mais maintenant qu'il y a G5, donc c'est un des fous prend H7 qui marche. L'idée, c'est qu'on va faire dame H5. Et si fou prend, pion prend, mais dans tous les cas, la dame arrive ici et la tour rentre dans l'attaque. Et c'est juste mat. Donc, pion prend D4, c'est pas possible. Donc, du coup, ici, vous allez voir, c'est assez instructif. Il y a deux façons de défendre. Il y a deux façons de défendre. Fou prend H7, c'est jouer soit G6, soit H6. H6, ici, les blancs ont un très très bon coup, mais qui est assez logique. Non, H5, en fait, quand on regarde, ça ne sert à rien. H4, le but, c'était de provoquer un affaiblissement. Là, tu l'as provoqué, l'affaiblissement. Push C, tu ne vas pas aller plus loin. Donc, ça ne sert à rien. Kg5, ça a le gros défaut de ne rien menacer. Alors G4, tu vas faire trois coups et c'est même pas sûr que tu aies une menace. Moi, je vais faire des choses en attendant. Non, c'est pas G4. Et là, honnêtement, c'est pas si simple, mais c'est hyper important. Kg5 ne menace rien. Je fais pion prend D4. Bien joué, Hystéria et François-Jacques. Là, le beaucoup. Alors, je vais vous donner mon. Enfin, c'est ce que je dis dans tous mes cours quand je le fais. C'est mon dada. C'est se poser la question sur quelle couleur de cage je veux. Quand on va définir ça, vous faites H6. Il y a une case qui doit clignoter de votre tête. C'est la case H7. J'en ai déjà parlé de cette chaîne. Du coup, fou B1. Ce n'est pas qu'on range nos pièces, mais c'est qu'en fait, on veut créer une batterie. Alors, je ne sais pas si ça se dit, moi, à mon époque, quand j'étais gamin, on appelait ça hein, le train du Sud, le fou B1 à la dame C2. Je ne sais pas si ça se dit toujours. Et regardez comme ça sera mortel. On menace dame H7 mat. Si les noirs vont faire G6, eh ben maintenant, je t'envoie le H1. Là, le H1 qui. J'ai pas compris la blague. Non, c'est juste, je dis à mes élèves de se poser la question sur quelle couleur de cage jouer. Non, fou B1, c'est un coup fantastique. Et donc, du coup, ça a déjà été joué. Hein. Je peux vous montrer quelques parties. Ça, c'est une partie très récente de Vidit, donc un des meilleurs grands maîtres indiens. On a forcé F5. Alors, F5, on pourrait dire, mais pourquoi on ne prend pas en passant? Ça ne serait pas terrible, parce que maintenant, le cavalier reprend et H7 est contrôlé. Mais maintenant, on peut jouer tranquille et regagner le pion, et le pion F5 est très mal placé. Maintenant, on a un pion passé. Ah, il y avait pas de, il y a ça, je savais pas. Ouais. Mais ça paraît logique d'ailleurs. Qu'il n'y avait pas de couleur gris clair et gris foncé. Bonne question. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Par exemple, tour 8 peut être une idée. Mais regardez comme c'est triste. La position. Boum! Fou prend H6. Ça, c'est une partie de qui? C'est une partie de Shad avec les Noirs. Dans un mec de Chesscom. Je crois. Et la menace, c'est tour G3. Et il n'y a pas de défense. Par exemple, imaginons qu'on se développe. Je fais tour G3. Il bouge le roi. Je fais dame C1. Et je te propose l'abandon. Dame prend H6. Greg Shadow avec les Noirs. Il s'est pris 20 coups. Bon, c'est une partie en 2011 à Saint-Louis.
Non, c'est pour vous montrer à quel point ça peut être très dangereux. Dans la partie, les noirs ont fait G6, qui est le coup théorique et le coup à la main. Et en fait, cette position, elle a évolué théoriquement au fil des années. Pendant pas mal d'années, on pensait que les blancs devaient faire H5, c'est-à-dire continuer l'attaque. Mais j'ai joué en équipe avec Amin Bassem, le meilleur joueur africain. Et il a joué, on partageait la chambre, il a joué contre Rager, le théoricien autrichien. Et la partie s'est déroulée comme ça. Donc ici, la menace est de prise et fou prend et maté. Dame 8, on colmate les brèches, on défend. La partie s'est déroulée comme ça. Alors, je fais défiler, mais juste pour vous dire qu'ici, théoriquement, ça va pour les noirs parce qu'en fait, ils donnent la qualité et ça va. Et ça a été joué dans une partie par correspondance. Bassem, il n'a pas joué D3, il a perdu. Mais théoriquement, cette position va pour les noirs. On a une qualité de moins, mais on a la paire de fous et on a surtout un pion D3 qui est quand même le cornet autrichien. Mais je perds souvent contre lui, ça m'énerve. J'ai fait des nuls, mais j'aurais dû le battre une fois. Mais ici, le bon coup qui a été joué donc par Ding et Tcheparinov, c'est le petit roc. Et j'aime beaucoup ce genre de coup. On fait H4 pour provoquer un affaiblissement et maintenant, on fait petit roc quand même. Alors vous allez me dire, le pion est en prise. C'est vrai. Si on le prend maintenant, il y aurait trop de jeu sur les cases noires. Donc tout à l'heure, quand il a fait H6, les cases blanches doivent clignoter. On fait fou bien, dame C2. Quand on vous fait G6, les cases noires doivent clignoter. Donc on est prêt à donner le pion H4, on s'en fout. Parce que maintenant, on se retrouve avec un énorme fou de cases noires et du jeu sur les cases noires. Donc théoriquement, la ligne est juste pas bonne pour les noirs. Voilà, il a joué Kc6, qui est le bon coup théorique. On se développe et on menace de prendre en D4. Kb3, bien joué. On défend en D4. Récemment, Gelfand, donc pas n'importe qui, hein, et Tcheparinov, deux très bons théoriciens, ont joué tour 1. Mais Kb3, le coup joué par Lila est très très fort. Fou prend H4, donc il a relevé le défi. On aurait pu. L'idée, c'est que pion prend D4, je peux simplement protéger ici, suivi de la reprise. Il a joué fou prend H4. Fou H6, donc on se développe, on joue sur les trous. Et ici, voilà. Et ici, il a fait tour 1. Donc pourquoi tour 1? C'est parce qu'on a besoin de protéger ce pion. Pion prend. Et donc là, la nouveauté va arriver. Oui, j'ai bloqué sur le message, je n'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Et ici, il a fait une nouveauté que j'ai beaucoup aimée. Et Kev, donc, je ne sais pas si dans le chat, il y en a beaucoup qui ont regardé le DVD de vidéo-série de Vlad sur le pion isolé. Et ça va me rappeler pas mal la partie Svitav, Zhukova et tout l'enchaînement de parties sur Stan. Si, il a joué Dame C2. En fait, normalement, le coup normal qui a été joué jusque-là, c'était tour C1. Et d'ailleurs, mon ordi préfère tour C1. Mais dame C2, c'est beaucoup, beaucoup plus profond. En fait, la tour, elle veut aller en D1. Gritschow-Gelfand dans le même thème. Il y a Katchev-Dreyev. Mais la plus belle, c'est Svitan. Donc là, les noirs se battent, jouent Kb6, veulent manger ici. Et c'est là tout le concept. Il va faire tour D1, c'est-à-dire qu'il attaque ici, fou D7. Et là, en fait, combien de personnes auraient fait qu'est prendre D4? Regagner le pion, petit avantage blanc, on est safe, on est bien. Que faire avec les blancs ici? Et c'est ça. Mais l'idée, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, on ne peut même pas manger en B7. Il a fait tour C8. En fait, on peut, c'est légal, mais juste, on ne peut pas aller en D6 parce qu'il y a Kay prend un 5, il y a une tactique. Donc, en fait, on peut jouer Kay C5, mais avec une mauvaise idée. Non, l'idée, c'est pas cavalier E4. Alors, Kay E4, ça perd juste. Enfin, ça perd. Non, ça perd pas. Mais il arrive à. Il nous laisse plus Kay prend H4. On n'est pas dans les temps. Ah, ici, il fait juste B4. Donc on peut se dire,
Ok, je vois pas la différence. Je te mange le fou et je reviens en E7. Donc là, regardez, ici, on doit jouer sur les cases noires. D'accord? Non, qu'elle prend E7, jamais de la vie. Tu veux jouer sur les cases noires. Tu lui laisses ton fou de case blanche. Son fou de case blanche ne défendra jamais les cases noires. Sinon, c'est un tricheur. Et B4, c'est ça, c'est qu'on empêche la case A5, ça c'est vrai. Bon, maintenant, tu fais quoi le cavalier C5? Ouais. C'est la bonne question. Alors, l'ordinateur, chez moi, ici, il fait qu'il prend B7, il essaye d'avoir une finale, petit avantage. Non, vous allez voir, honnêtement, c'est une partie qui est magnifique. Ici, les blancs jouent et gagnent. On prend D4, on sent que les gens veulent faire le bon jeu. Alors, le coup le plus logique pour contrôler les cases noires, c'est cavalier E4. Alors, qu'il prend D4, c'est pleutre, parce que je vais tout échanger. Je te propose nul. Donc là, il y en a qui ont proposé le bon coup, mais à mon avis, ils n'ont pas vu pourquoi. Mais c'est pas grave, hein. Kev, tu joues quoi ici là? Ok, dans la partie, il a joué cavalier E4. Alors stratégiquement, c'est ce qu'on veut faire. Concrètement, si on bouge la dame, on va menacer d'échanger le fou de case noire et de rentrer un F6. Le problème, c'est qu'en fait, cavalier E4, si tu réfléchis par principe, c'est bien sûr un bon coup, mais il y a juste un énorme problème tactique. Que font les noirs ici? Alors, il y a deux coups, si vous voulez, il y en a deux. Cavalier prend E5, tu perds une pièce. Parce qu'après ça, ça menace ça et mate. Bon, si c'était ça la partie. Je vous l'aurais pas montré. Il y a cavalier prend B4. Donc là, un humain, alors je me suis fait engueuler la dernière fois que j'ai dit ça dans une vidéo, mais je le redis. Un humain, pour moi, n'aurait pas fait ça parce qu'ici, il aurait calculé dame prend D4, cavalier D5. Et c'est pas si clair. Le cavalier en D5, il est monstrueux en défense. On peut jouer fou B5, par exemple, essayer d'échanger les dames. Fou G5, pour avoir la case F6, ça marchera beaucoup moins bien parce que le cavalier D5 est monstrueux. Donc en fait, je pense que personne n'aurait joué ça à cause de cette idée. Sauf que là, je vous ai dit que c'est une belle partie. Quelle est l'idée de l'aller là? Bien joué, Kev. Dame prend B4. Donc là, l'ordinateur sur l'e-chess et sur Chess.com, il met 3,50 pour les noirs seulement. Non! Soit dame prend C8, Ludwig. Aucune logique. Je m'explique. On doit jouer sur les cases noires. Quand tu fais dame prend C8, sa tour, elle ne joue pas sur les cases noires. Dame prend B4. Fou prend B4. Pion prend. Arrêt sur image. Stop. On regarde. On a laissé comme pièce mineure que le fou. C'est-à-dire une pièce de case blanche qui ne pourra jamais jouer sur case noire. Nous, on a quoi? On a un cavalier qui menace dans la F6, un cavalier qui peut aller en G5, une tour qui peut aller en D4. Donc, on a potentiellement 5 pièces qui peuvent jouer sur case noire. Bon, c'était un peu le agressif, là. Pas logique, mais bon, tu m'as compris, c'est pas méchant. Ici, bon, c'est des ordi, donc il a joué le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est F5. Alors, je peux vous montrer. L'autre coup logique, parce que j'ai essayé de réfléchir par moi-même, j'ai proposé ça contre l'ordi, pour empêcher que la tour coulisse. Ici, les blancs jouent et gagnent. Comment on attaque? Alors, vous allez voir, c'est assez limpide.
Cavalier F6. Ok, roi H8, obligé. Quai G5. Ok, deux façons de défendre. On menace qu'il y ait prend F7 mat. Hein. Tour E7 ou Dame E7? Si Dame E7, comment continuer? Tour E4, tour H4, bien. Alors ici, le plus précis, c'est tour D3. On ne me demande pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Et je vais vous montrer, par exemple, j'ai regardé une ligne avec l'ordi. Fou D2. Mignon. On attaque la dame et sur dame prend D2. Mat. Alors pourquoi c'est plus précis, je ne m'en rappelle pas. Objectivement, je ne m'en rappelle pas. Ça change quoi? Non, je crois que c'est peut-être jouable, c'est peut-être gagnant aussi d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon, je sais juste que mon ordi, il préférait tour D3. Mais sur tour E7, il fait. Je pense qu'il ne veut pas avoir à calculer un D3, probablement. Là encore, sur tour E7, il fait tour D3. Et regardez ici. Donc là, il nous empêche de coulisser. Tour A4. Donc, on n'a que 4 pièces, mais elles sont quand même bien placées. Donc, le matériel, c'est qu'on a deux cavaliers pour dame et tour, mais c'est juste mat. On empêche dame prend E5. Et maintenant, la menace, c'est. Alors, je vous la montre. C'est par exemple, imaginons que vous jouez n'importe quoi. Je sais pas. Fou B5, je sais pas. La menace, c'est échec, échec, échec. Échec et mat. Bim. Donc, dame prend B4, l'idée c'est ça, c'est créer ce déséquilibre sur le case noir et d'attaquer comme un bourrin dessus. Là, les noirs vont très bien jouer. Il a fait F5. Donc là, réfléchissez. Que faire? Alors, il y a quelqu'un qui propose tour F8, c'est intéressant, mais je te fais ça. Je te fais ça. Je te dis, c'est même pire. Parce que déjà, je menace toujours ça, mais au pire, je peux remanger le matériel. Parce que du coup, trois pièces pour la dame, là, ça va commencer à être mieux pour moi, le matériel. Ah, mais Ludwig, tu peux proposer, n'aie pas peur. F5, que faire? Voilà, j'espérais qu'on me dise ça. Oh, la menace, c'est pion prend quand même. Donc G4, c'est pas terrible. Il y en a un qui m'a proposé le coup que j'espérais qu'on me propose parce qu'il n'est pas bon. Pion prend est complètement illogique parce qu'on s'enlève la case F6. Ici, les noirs peuvent jouer E5 et finalement, leur fou qui était complètement pourri mais va pouvoir se développer. Alors, F5, fou G5 serait pas terrible. Parce que les noirs auraient le droit de rendre du matériel et se retrouver avec une qualité de plus, finalement. Alors, le bon coup, c'est simplement cavalier F6 échec. Roi H8. Tour prend D4. Donc on menace tour prend D7 qui gagne. Tour C7, on défend. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, désolé. Tour prend D4, tour C7, tour D1, tour E7. Voilà la position critique après le sacrifice de dame. Donc, il y a dame et pion pour deux cavaliers. Mais, que faire maintenant? La logique dicterait Kg5. Kg5, c'est plutôt un bon coup. Cavalier E5. Ici, il a joué un coup, mais qui. C'est le genre de coup, je peux en rêver.
Alors maintenant, on va le faire dans l'autre sens, les gars. Avec les noirs, quel est votre prochain coup? Roi H2, j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas le coup qu'il a joué, mais il l'a joué après. Ok, tu fais Dame C8. Je te dis, maintenant, joue un autre coup. Après Dame C8, c'est encore à toi de jouer. Tu fais quoi? Alors, fou C6, tu peux pas, il y a tour D8, échec à la fin. Donc après Dame C8, c'est quoi le coup d'après? Tour C1, tu peux pas, il y a le fou H6. Après Dame C8, les noirs n'ont toujours pas de coup. Tour C4, ok, ça c'est un coup. Ben maintenant, je te fais tour prend D7. Et je te regagne une pièce. Et n'oubliez pas, trois pièces mineures pour la. C'est plus fort que la dame. Surtout quand le roi est très faible. Donc en fait, dans cette position, c'est une sorte de zugzwang. Les noirs ont rien à faire. Du coup, il a joué B5. Et j'aime tellement ce coup. En fait, il empêche les noirs de peut-être un jour faire B5. En fait, l'idée, c'est que si tu me fais A6, je te fais B6. Donc, dans la partie, il a fait B6. Sauf que maintenant, ces deux pions ne pourront plus bouger. Avec un pion, j'ai paralysé les deux pions. Donc, OK. Donc, on a compris que les noirs ne peuvent rien faire. Alors, tour C1, n'oubliez pas, il y a un fou en H6. Hein. C'est zugzwang, c'est complètement zugzwang. Donc, du coup, maintenant, on a juste à améliorer notre position et trouver une idée. La seule idée qu'on peut avoir en gardant ces deux pièces. En fait, quelle est la pièce la moins bien placée, en fait? C'est simple. Il faut toujours se poser ces questions. Il n'y a qu'une pièce qui n'est pas très bien placée ici. Le cavalier F3, exactement. Donc, KG5, par exemple, ce n'est pas le coup qu'il a joué. Après dame là, on pourrait se dire, attends, mais est-ce qu'on n'a pas une tactique énorme avec K prend 6? Avec l'idée sur fou prend, on fait ça. Et sur tour prend, on fait K prend D7. La réponse est pas du tout, il y a G5. Alors pourquoi G5? C'est que la tour tape ce fou. Donc en fait, dans cette position, il faut juste. On a compris que les noirs ne vont rien faire. Donc il faut améliorer notre position. Cavalier H4, le problème c'est que tu. Ça, c'est pas bête. Tu veux faire ça, c'est ça? Ah, ça marche pas, il y a G5. Non, mais par contre, c'est une. Non, tu sais quoi? L'ordi dit que ça marche. Il dit que c'est égal. L'ordi, il dit que même ça, c'est jouable. Non, mais là, vous allez voir. Il a joué Roi H2. On va améliorer nos pièces. Donc, tour B7, le mec, il dit Dame C8, Dame D8, tour B7, tour C7, c'est pareil. K, G5. Donc, le cavalier, il est bien placé en G5. Donc, là, par exemple, encore une fois, j'ai analysé K prend 6, ça ne marche pas. Et la position est à peu près égale. Mais regardez ce qu'il a fait. Tour 2. Il va améliorer sa position. Il va répéter un peu les coups. Bon, n'oubliez pas les ordis, la notion de répéter les coups, ils ne comprennent pas. Il fait F4, donc très logique pour consolider la structure. Tour B7. Et maintenant, il y va. Ici, K prend A6, le coup gagne. Alors, on va essayer de voir la différence. On a décidé de blinder avec le roi en H2 et le pion F4. Et il a été malin en triangulant avec la tour pour que la tour soit en B7 plutôt que C7. Si fou prend, ça gagne tout de suite. Tour D8. Donc le seul coup, c'est tour prend. K prend D7. Concrètement, par rapport à tout à l'heure, G5 n'est pas possible parce que je fais cavalier F6 et tour D8 est imparable. Donc c'est pour ça que la tour, elle est vraiment pas bien placée ici. Donc la partie, ça a été roi G8. Comment on finit ici? Faut juste rentrer hein, et punir. J'ai l'impression que tout le monde est en PLS.
Là, on a réussi à rentrer sur la colonne D. Bien joué, Ludwig. Cavalier F6. Il ne faut pas chercher trop compliqué. Roi F7 obligé. Tour D8, bien joué. On menace tour F8 mat ou tour prend dame. Donc, seul coup dame C5 pour contrôler. Allez, on continue. On n'est pas loin de l'abandon. Et encore une fois, on joue tout sur case noire et on n'a que deux pièces pour la dame. Hein. Ah, j'avais pas vu que Cyril avait proposé. Ah, j'avais pas vu le message. Non, pas de tour H8. Ah, mais j'ai pas les derniers messages. Tarswelder, bien joué. K prend. Donc la menace, c'est quoi? C'est K G5, roi là, fou F8 mat. Alors je vous le montre parce que c'est pas un mat qu'on voit très souvent, mais il est quand même sympatoche. Seul coup ici, tour 8. Et là, il faut trouver le coup de grâce. Comment finir la partie? Bien joué les gars, E6. Simplement on dévie. Si roi prend, plusieurs coups gagnent, mais tour prend A8 gagne, mais le gain le plus rapide au niveau nombre de coups, c'est ça. Et c'est mat imparable. On menace ici et ici, suivant ce qu'il fait. Si dans la partie, il a joué tour prend, K G5, roi F6, et maintenant on collecte. Si tu vas ici, on mange tout. La partie a continué par ça. Et donc. Bon, c'est un prince, c'est les premières parties d'ordi, c'est que c'est pas encore fini, mais c'est ça gagne. Alors, Kevin, joli, le fou G7 échec, c'était à quel moment? Alors, il y en a, je pense, qui vous êtes un peu en différé au niveau du chat. J'ai beaucoup après, en fait. Peter Sagan, ok. Voilà, donc c'est une partie qui m'a beaucoup impressionné. Bon, théoriquement, qui était très, très importante. Bon, pas pour tout le monde, mais qui a des valeurs stratégiques très importantes. On envoie du H4 pour créer un affaiblissement. Sur H6, on joue sur les cases blanches. Sur G6, on joue sur les cases noires. Et petit roque, c'est vraiment fantastique. Et j'ai beaucoup aimé ce dame C2 avec l'idée, on s'en fout de donner ce fou. Ce qui compte, c'est les cases noires. Et encore une fois, on ne prend pas le pion. On met un cavalier en C5. Et ce sacrifice de dame qui est juste parfait, toi. Et ça, c'est juste gagnant. Et c'est une très belle partie donc, entre Lila et Stockfish. Ah. On en fait une dernière ou vous êtes mort? Encore une? Est-ce que vous... Bonne nuit. Ouais, une dernière. Je vais vous montrer que les ordis peuvent s'arnaquer entre eux. Ça c'est un truc, ça m'a fait rire. Comment on fait déjà? Ah non, ça va être dur par contre. Désolé Fab. Après, vous pouvez le voir en replay, hein, ce que vous ratez ce soir. Ok, allez, on y va. C'est une partie entre Stockfish et Lila pour changer. Bon, j'ai fait une thématique hein, sur ce match. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les blancs ont fait une masterpiece.
Ils ont complètement dominé, ils ont sacrifié la qualité, ils se retrouvent avec deux pions passés. Et si vous mettez les ornateurs, l'ornateur va dire non, mais là, ça gagne pour les blancs. Pourquoi ça devrait gagner? Parce qu'en fait, je menace simplement. Roi A4, B5, B6, A6, et je vais faire dame. Et en fait, le dernier coup de la partie, alors je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre, mais j'ai coupé. Ici, c'est au noir de jouer. Et d'ailleurs, le pion E5 est aussi en prise. Mais la vraie menace, je pense, c'est Roi A4, B5. L'ordinateur là sur Chess.com, il met 1,50 ou plus 2. Et en fait, ici, les noirs jouent et font nul. Et c'est une arnaque qui est juste. Enfin, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, magnifique. Opportuniste, mais joli. Alors, il y en a qu'un qui propose un coup. Donc, en plus, il a trouvé. Ah non, il y en a deux. Pardon. Il y a le bon coup proposé. Mais réfléchissez un peu. Vous êtes foutu. Il faut trouver du contre-jeu. Nerven, ton idée, il y a du sens. Mais il va falloir qu'on mette dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Il faut trouver du contre-jeu. Tour prend C4. Quand vous êtes mal comme ça c'est un truc très souvent, j'ai remarqué, il y en a qui font ça. Quand vous êtes mal, souvent vous jouez passif. Ben, du coup, ben, ça ne va pas s'arranger. Le mec, il va jouer passif, il va jouer passif, ben, au bout d'un moment, ça va craquer, vous allez perdre. Non, quand vous êtes mal, vous devez chercher du contre-jeu. Donc vous devez de changer. En plus, ça peut gêner votre adversaire qui est en train de vous dominer. Tout d'un coup, il doit réfléchir. Le bon coup, c'est te reprendre. Bon, après, c'est facile de dire te reprendre, mais il faut voir la suite. En Maxime, tu as du vrai. Faut jouer D3. Contre-jeu. Ici, deux coups possibles. Tour D2. Attaque le pion au tour 1, simplement on défend. Ce qui est marrant, c'est que ce matin, j'ai travaillé cette position et j'avais prévu de vous dire que dans la partie, les blancs ont joué tour 1, que c'est une grosse faute, mais que tour D2 gagnait. Parce que j'avais travaillé la position avec mon ordi portable et j'ai mis cet ordi sur mon fixe. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a mis un quart d'heure, enfin peut-être 10 minutes, j'exagère, à trouver la nulle. En fait, cette position fait vraiment nul. Tour D2. Ici, la ligne, elle est pas facile. Hein. Le premier coup est facile, entre guillemets, mais la suite n'est pas facile. Faut faire E4. Alors, E4, c'est simple, parce qu'on menace en limite E3, E2 de gagner. Donc, on force, puis on prend. Alors, il y en a quelqu'un qui me propose dans le chat tour D8. J'y ai pensé. Et donc, du coup, j'ai analysé un peu. La ligne, elle donne ça. Et le problème, c'est quand tu fais G2, regarde le déficit de pions que tu as. Il y a 5 pions pour la tour et tu ne vas jamais arriver à les arrêter. Donc, ça ne marche pas. Ici, j'ai tenté d'analyser si le roi passe. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, je vais donner du matériel. Donc l'idée, c'est que mon roi va venir ici et je vais simplement faire ça. Je vais donner ma tour contre le pion G. Et avec mon roi, je vais. Ouais, c'est une grosse voie lactée là. Très clairement. Non, ici, il faut jouer vraiment actif. Il faut jouer E4. On menace E3. Puis on prend. Que faire? F3, c'est de l'ultra dynamisme. Puis on prend. Alors deux coups possibles. Si tu fais tour prend, F2, tour D1. Oh, ah, c'est là le coup que j'avais pas trouvé. C'est ça qui est fantastique. C'est re7. Le coup le plus moche, c'est ça. Puis on prend. Qu'est-ce que vous faites sur puis on prend F3? Ouais, tour G8, bien joué.
on fait tour G8 et on manage G2. Et si on fait tour là, on ne fait pas D2. On joue pour la gagne. Et en fait, cette position, cette fois, c'est les noirs qui sont en avance et qui gagnent même. C'est même pas nul. C'est gain. Donc le bon coup, c'est ça. Et donc là, mon ordinateur me disait, non, non, mais les blancs sont complètement gagnants. D'ailleurs, là, il dit encore que c'est gagnant à l'ordi. Mais là, il y a un truc qui est fantastique. Il y a F2. Et ici, il n'y a qu'un coup qui fait nul, que l'ordi ne voit pas. Alors, ce n'est pas tour D8, ça serait joli. Mais le problème, c'est que sur Dame, il y a enfilade. Ouais, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mal cliqué. C'est Roi E7. Et ça, c'est un truc, c'est introuvable. L'idée, c'est que sur A6, enfin sur n'importe quel coup, je fais tour D8. Avec l'idée, ce n'est pas de reprendre, hein, c'est juste on fait simplement dame. Et les noirs gagnent. Et si on bouge la tour, quelle est l'idée? Allez, Roi E7, moi en fait, j'ai juste halluciné parce que j'y avais pas pensé. Moi, j'ai analysé Roi E5 et tout. Et au bout d'un moment, l'ordi, il trouve Roi E7, tour D8. Mais même là, c'est pas encore. Comment on continue? On a capture de moins, mais comment faire que le pion F2 soit fort? Alors, tout très joli. Alors, tour D3 échec, c'est le bon coup. Donc là, il y en a un qui me propose tour F3, c'est très joli. Mais le problème, c'est qu'il va faire tour F1. Non, simplement ça. A7, tour 1. Dame, tour prend. Et en fait, regardez, il n'y a aucun moyen avec la dame de faire des échecs et d'aller gratter la tour. Parce qu'on va rester. On va rester comme ça avec le roi en D7, en D8. Et du coup, dame imparable. Et du coup, il n'y a pas mieux que de prendre le perpétuel. Ouais, tour D3, tour F3, c'est très beau, mais il y a tour F1, je pense. Et donc, ouais, ça, roi E7. Mais vous voyez, quand vous êtes mal, il faut essayer de trouver les ressources tactiques les plus. Enfin, il faut trouver le contre-jeu. Dans la partie, là, je joue tour 1. Et la nulle est enfin, la nulle est pas dégueu non plus. Alors, du chesscom, il met plus 3 là. Mais même toujours maintenant. Alors, c'est pas un vrai ordi après, c'est pas. Non, D2, c'est une faute. Pourtant, c'est logique. Hein, mais... D'ailleurs, l'ordi ne trouve toujours pas la nulle ici. Ok, si vous faites D2, je fais tour D1. Et si vous faites la même chose, bah, je bloque ça et après je vais à dame avec mon pion A. Ouais, le bon coup, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de surprotéger. Dans tous les cas, la tour va devoir aller sur la colonne D pour pousser. Mais on veut préparer E4. Ici, si on fait E4, il y a tour prend E4 qui gagne. Parce que D2, il y a tour D4. Donc en fait, on veut jouer E4, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Donc tour D8, en fait, c'est juste, on veut jouer E4. Mais le truc, c'est que tant qu'il y a tour prend, on ne peut pas. Mais maintenant, si c'est un. Si ça nous jouait E4, tour prend E4, D2, il n'y a plus tour D4, comme on a mis la tour en D8. Du coup, on veut jouer E4 pour créer des pions passés au centre en jouant E3. Et si pion prend E4, on veut jouer F3 pour se créer ce fameux pion passé G. Donc là, tu as fait B5, et ça y est, on y va. Contre-jeu. Contre-jeu. Ici, dans la partie, ils ont repris un F3, mais il y avait un autre coup à regarder. Alors je suis en train de lire le chat, mais il y a des trucs que je ne comprends pas. Non, c'est pas grave. Si B6, on peut jouer pion prend. D2. B7. Et là, il y a nulle, mais elle est incroyable ici dans cette position. Comment faire nulle ici? Franchement,
Très dur. Ivan Colonna. Mais celle-là, je l'ai déjà fait en plus, cette blague, moi. Mais si, c'est moi, je l'ai sorti sur la chaîne. Et les Corses, je les connais. Non, ici, il y a, honnêtement, la nulle, elle est magnifique. Kev, si tu veux chercher un peu, après, c'est fini la masterclass. Tour D3, roi A4 ou roi B4. Et au prochain coup, dame. Tour D4, je fais dame, je crois. Tour B8, je fais A6. Bien joué, Kev. G1. Tour prend G1. G2. C'est un truc de fouine atomique. L'idée, c'est que si tu fais ça, je peux faire maintenant dame, dame, dame. Et les noirs gagnent parce qu'il n'y aura pas de perpète, le roi va monter. Mais donc, du coup, ici, pourquoi c'est nul? Parce que les blancs peuvent faire ça. Donc, cette fois, si on fait G1, on perd puisqu'on ne fait pas de dame. Mais ici, la nulle, c'est tour G8. Et on menace la même chose. Si A6, on fait dame. Bon, alors Didi dit que ça fait encore nul avec ça. Mais bon. Mais bon, je pense qu'un humain, sur tour G8, il fait tour G1 et le perpétuel, ça fait, se termine comme ça. Quand t'as de la fouine, il y a Kev. Fouine atomique, ouais. Non, mais G1, c'est magnifique. G1. D'ailleurs, G1 cavalier ne marche pas. Parce qu'il y aurait A3, hein, A6. Il faut faire dame, etc. Donc, à la place de B6, dans la partie, là, je pion prend. Mais là, du coup, c'est le même principe. Tu fais G2, contre-jeu. Dans la partie, là, je roi B4 pour ramener son roi. S'il avait juste poussé, on aurait fait la même chose. Ça. Et là, la nulle, c'est la même. Tour G8. Tour là. Tour là. Tour là. Et ça finit. Dans la partie, là, je roi B4. Mais qui est assez malin. Parce qu'il peut ramener le roi en C3. Il a fait roi E5. Roi C3. D2 quand même. Roi D1. Et là, il s'est amusé. Là, l'ordi, par exemple, dit toujours que les blancs gagnent, hein, je vous rassure. Ici, le bon coup, c'est ultra actif. Roi F4. A6. Roi E3. A7. Et maintenant, c'est reparti. On refait ça. Pourquoi on a fait ça? Ça va être instructif de vous montrer. Si ici, par exemple, on avait fait tour G8, on faisait roi C3. Dame, prise, prise, B6, les blancs gagnent. Parce que ce pion, il n'ira jamais à dame s'il se fera arrêter par le roi. Et ces trois pions sont beaucoup trop forts. Donc c'est très important de ramener le roi. Parce que maintenant, ce pion va vraiment aller à dame. C'est ça la différence. Pourquoi le faire sans manger E? Mais le E, il est défendu par F. Et on veut vite aller en E3 pour protéger des deux, nous. Et la partie s'est terminée par un pleutre, par une pleutre répétition de coups. On aurait pu tenter E5, j'ai regardé. Quelque chose comme ça. Mais je leur dis, mais égal, je ne sais pas si ça gagne ou pas. Probablement, ça va faire nul. Mais bon, je trouvais ça marrant de faire un petit perpétuel. Donc, on a combien de pions de moins? On en a 3. Mais le pion D2 et G2, on les a bien, bien poussés. Donc, ce qui est à retenir de cette finale, pour moi, c'est quand vous êtes mal, pensez à essayer de changer le cours de la partie. Et là, vous avez un point très fort, c'est ce pion. Mais le problème, c'est qu'il est bloqué. Pour le débloquer, il faut jouer F3. Pour le débloquer, il faut enlever ce pion, donc il faut jouer E4. Et il faut le faire marcher. Donc, ici, tour D8 est très important parce que E4. Tout de suite ne marchait pas parce qu'il y avait tour prend et tour D4. Donc très important, on fait tour D8. Et après, on envoie la marée. Et du coup, le contre-jeu. On menace de monter le roi, on menace de faire ça. Et le petit perpétuel qui va bien après. Bon, c'est une belle finale, j'ai bien aimé mon. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour jouer. Bon, j'avais préparé une cinquième position, mais là, ça va faire too much. Mathieu, je suis là, je suis de retour. Enfin, je suis jamais vraiment parti, quoi. C'était Ouais, j'ai vu que tu étais passionnant. à fond. Hein.
Non, mais c'était vraiment intéressant, en fait. Bah, tant mieux. J'ai été super intéressé. Il y a eu plein de thèmes intéressants. Et la finale, la dernière, elle était vraiment cool. Ouais, mais et en fait, ce matin, j'ai changé l'évaluation parce que je l'avais analysé, tu sais, sur mon portable. Ouais, Et pas leur assez puissant, disent quoi. pas assez puissant, en fait, ils ne trouvent pas ça. Bon, Ouais, ça m'étonne ça, pas, ils ne le hein. voyaient pas. Ça m'étonne pas. En tout cas, Avec l'idée. la masterclass, elle était passionnante, hein, de A à Z. Franchement, Bah, c'est cool, merci. Je franchement, vous c'était vraiment génial, apprends. quoi. J'étais vraiment scotché de. J'ai vraiment tout vu, en fait. Je me suis même fait engueuler Bah. par. Je me suis même fait engueuler par Liena à cause de la masterclass. Désolé, je Non, connais parce qu'en fait, ça. j'étais en train de manger, je regardais, et puis en fait, je me suis levé sans débarrasser ni rien, tellement j'étais à fond dans le truc. En fait, j'étais tellement pris par les parties là, bah aussi le sacrifice de dames et tout, le B3, c'était hyper intéressant. Enfin, tout était Ah, fantastique, quoi. le B3, t'es que moi j'ai kiffé analyser. J'ai Ouais, fantastique, passé génial une en heure, fait. toi. J'ai kiffé parce qu'il y a vraiment du jeu. Et donc j'avais préparé ça pour la garde l'autre jour. Ah non, franchement, Mathieu, des masterclass comme ça, tu nous en fais quand tu veux, hein. Ouais, Franchement, mais c'était génial. je sais pas si les gens se rendent compte, c'est que ouais, j'ai passé au Bah, il y a moins quoi? Il y 3-4 a heures. non, il y a ouais, entre le temps de faire la masterclass ou quoi, c'est quoi? C'est 8 heures de boulot, un truc comme ça, en tout. Mais en fait, non, aujourd'hui j'ai fait 2 heures et 1 heure hier, plus les 2 heures là. Mais ouais, j'avais peut-être passé 1 heure avant. Ouais, non, je pense 6 heures, ouais.